Hey, salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Samout 87. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War. Nous sommes en mode zombie sur la carte Die Machine. Dans cette vidéo, je vous propose de vous montrer un glitch qui vous permettra d'être invincible en dessous de la carte dans le spawn et d'avoir accès à la table de craft en illimité. Alors avant de commencer les amis, sachez que pour ce glitch, vous avez besoin impérativement d'avoir la couverture de l'éther au niveau 3 ainsi que la tour réanimation rapide également au niveau 3. Je vous conseille également de faire ce glitch une fois que vous êtes déjà équipé en armes, que vous avez les atouts que vous voulez avoir ainsi que l'arme spéciale améliorée ou non. Car à l'heure où je fais le montage, je ne sais pas s'il y a une possibilité de sortir du glitch une fois à l'intérieur de celui-ci. Mais avant de commencer la vidéo les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et bien entendu à lâcher un gros pouce bleu sur la vidéo si celle-ci vous a plu. Et ceci étant dit les amis, place au glitch. Donc les amis, dès que vous êtes équipé en armes et en atouts et que vous avez la couverture d'éther disponible, vous allez simplement vous rendre au même endroit que moi dans la vidéo et vous allez activer votre couverture d'éther afin de sortir de la carte. A partir de là, vous allez devoir suivre le même chemin que je prends dans la vidéo. C'est à peu près le même chemin que vous devez prendre lorsque vous voulez aller sous la map pour faire vos manches ou aller par exemple dans la salle secrète que j'ai montré hier. Donc pour l'instant, concentrez-vous uniquement sur le chemin que je prends dans la vidéo. Une fois que vous arrivez ici, contournez l'arbre et pour passer à travers les rochers, vous allez devoir vous allonger, continuer tout droit afin de retomber encore un petit peu plus bas sous la carte. A partir de là, vous avez simplement encore une fois à suivre le même chemin que je prends dans la vidéo. Une fois que vous êtes arrivé ici les amis, vous êtes tout simplement revenu donc dans le spawn. Comme vous pouvez le voir, il y a même la porte avec le petit lapin du spawn que je peux même ouvrir en étant sous la carte, c'est insane. Donc là vous allez tout simplement contourner comme je le fais dans la vidéo en direction du char. Vous allez donc passer comme je le fais. Vous avez un petit muret que vous allez pouvoir escalader. Donc là vous allez pouvoir donc grimper dessus afin de pouvoir avoir le spot d'invincibilité. Si vous avancez un tout petit peu vers la table de craft, vous allez être bloqué. Donc vous vous allongez. Et vous continuez d'avancer toujours tout droit en direction de la table de craft. Et là, que vous allez pouvoir le voir, au bout d'un moment, je peux tout simplement activer la table de craft et acheter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous pouvez tout simplement faire vos manches. Et à chaque fois que vous collectez suffisamment de matériaux, bien vous pouvez simplement vous rendre vers la table de craft et acheter tout simplement des grenades tactiques, des grenades mortelles ou encore des spécialistes comme l'arc à poulie, le lance-grenade ou l'hélicoptère. Et tout ça en illimité les amis. Quand vous voulez faire vos manches, vous allez vous mettre exactement comme je me mets dans la vidéo. Et vous allez donc pouvoir tuer les zombies en étant comme je le fais sous la carte. Si vous voulez monter un peu haut dans les manches, je vous conseille encore une fois de jouer avec l'arme spéciale, améliorée ou non. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des difficultés ou des choses que vous ne comprenez pas sur le glitch, je vous invite à m'en faire part dans l'espace commentaire de la vidéo. Et j'essaierai de vous lire, de vous répondre et de vous aider du mieux que je peux, comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos. Parlez un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et qu'on puisse atteindre pourquoi pas la barre des 10 000 abonnés.
Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me suivre sur Utip. Utip est une plateforme de dons sur laquelle vous pouvez aider financièrement la chaîne à évoluer. Donc ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me suivre donc sur Utip. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous pouvez également me suivre sur tous les réseaux sociaux qui seront également disponibles dans la description de la vidéo. Et bien entendu, n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.